Alors, les images que vous venez de voir consistent à déporter l'image du patient sur un écran en trois dimensions. Aujourd'hui, nous opérons avec un système 3D comme au cinéma, en regardant un écran face à nous au lieu de regarder dans le microscope comme nous l'avons fait pendant des années, ce qui modifie considérablement la posture, on peut se relever, et le confort pour nous durant toute l'intervention. Non seulement il y a la position, mais aussi la qualité de l'image qui est accentuée avec un relief qui est exagéré et qui permet de mieux pratiquer la chirurgie. Alors, les bénéfices de cette technique, pour le médecin essentiellement, c'est un gain en termes de visualisation, sécurité opératoire, parce qu'on voit des choses qu'on ne percevait pas sur les techniques standards, une magnification qui est plus importante, et l'accès à des zones sur lesquelles la visualisation pouvait être difficile sur les techniques conventionnelles, techniques sous microscope. Il y a un bénéfice également d'apprentissage. Pour les équipes autour de nous, il y a une meilleure compréhension de ce qu'on fait, que ce soit les aides opératoires, les assistantes, les anesthésistes. Ça permet d'envisager aussi un côté pédagogique, c'est-à-dire que si les gens viennent dans un bloc opératoire pour essayer de comprendre les techniques qu'on fait, eh bien, ils vont beaucoup mieux comprendre puisqu'ils sont totalement immergés dans la même image que nous. Donc, la perception et la compréhension de la gestuelle chirurgicale est nettement simplifiée. Pour le patient, le gain, il se situe dans la sécurité. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que si on a une meilleure visualisation des choses, si on a accès à la visualisation de choses auxquelles on avait mal ou peu accès auparavant, eh bien, il y a un gain en termes de sécurité et des techniques chirurgicales qui vont permettre d'évoluer vers plus de sécurité, plus une réussite meilleure. À mon avis, cette technique a encore beaucoup d'avenir. Elle n'est pas rangée dans les gadgets qu'on n'utilise plus au bout d'un an ou deux. Elle va être utilisée, à mon avis, beaucoup plus par les chirurgiens du segment antérieur, même si pour l'instant, ils restent encore sur leur habitude d'opérer sous microscope. Il y a aussi, à mon avis, une question de coût qui risque de diminuer dans les années à venir. Les évolutions vont être la possibilité dans le futur de mettre des images, des données du patient en préopératoire avec des OCT et des images du fond d'œil. Et puis la possibilité également de pouvoir, dans le futur, avoir un casque de 3D. Et enfin, à mon avis, ça va être une amélioration dans l'ergonomie du matériel parce qu'il y a une empreinte au sol qui est importante et qui limite un peu la place dans la salle opératoire et probablement dans des bras déportés au plafond.